victoire, oui. Franchement, je suis très contente de mon niveau de jeu, surtout parce que j'ai joué mon jeu, je suis rentrée dedans, même si ça n'a pas toujours payé, parce que c'était pas évident physiquement. J'ai eu des matchs difficiles aussi avant. Donc, le plus important, c'est que j'ai été moi-même sur le court et que voilà, j'ai joué à 100%. Ce que je dis à tout le monde, c'est inexplicable. En fait, quand j'étais petite, je jouais à deux mains, mais je sentais vraiment pas bien. Donc, je suis passée à une main comme ça, j'ai fermé ma prise et puis c'est parti tout seul. Après, chacun fait la différence un peu avec ses moyens et puis c'est différent et chaque joueur a son style. Donc voilà, c'est mon style à moi, même si c'est un peu bizarre. J'aimerais bien être top 20 mondial, ce serait déjà un super objectif. Mais vaut mieux viser haut, parce que si on vise d'être top 100, ça ne sert plus à rien de jouer, parce que maintenant il y a tellement de monde, donc autant viser haut, y aller à fond chaque jour, et puis on verra bien ce qui se passe, parce que le tennis c'est tellement incertain qu'on ne peut jamais se projeter, vraiment.